Good morning, allez, Idan et Tissus, aujourd'hui, le Nishmat Avram Chaynor Berman Fortune Mazal, Yedida Patesser, Yakov Nissim Ben Chana, Machlouf Micha Ben Masouda, ainsi que l'Irfouat Refeldov Ben Yudid, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Misha, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions Masechet Kritout, Perek Vav, Mishnabet, Hacham Vadai Enoken, Yemad Shalon Nishchat, Yetzel Veir E Baeder, Mishnishchat Arizei Kaver, Nizrak Adam, Abasar Yetzel Ebet Asrefa. Shor Niskal Enoken, Imad Shalon Niskal Yetze Veir E Baeder, Mishniskal Mutar Beana, Egla Arufa Enoken, Imad Shalon Erfa Tetze Vetir E Baeder, Mishne Erfa Tikaver Bim Koma, Shal Safek Baa Mitechilata, Kipra Sveka Behalcha La. Une Mishnah qui continue, la Mishnah Aleph, et après une si longue interruption, alors c'est sûr que vous êtes au moins pire que moi, qu'on a un peu oublié de quoi ça parlait. Donc on va un petit peu rappeler le principe de la Mishnah du Perek Vav qu'on a commencé. On continue à parler du Hacham Talouï. La Torah a laissé la possibilité, lorsque l'on a transgressé une faute sur laquelle on est passible d'un karet, mais qu'on ne sait pas ce qu'on a transgressé, donc dans le doute, la Torah nous a dit, tu sais quoi, si tu veux, tu fais une expiation partielle, pour le moment, momentanée, et on tu apportes un korban Hacham Talouï. Hacham qui suspend la punition qui devrait nous arriver si toutefois on a réellement transgressé. Ça marche que c'est momentané jusqu'à ce que l'on réalise qu'on a réellement transgressé. La Mishnah précédente a parlé du cas où on a réalisé qu'au contraire, on n'a finalement pas transgressé. Et alors, on a évoqué plusieurs situations, c'est-à-dire, succinctement, j'avais prélevé, je ne savais pas ce que j'avais mangé, une graisse interdite ou pas. Il y avait deux graisses interdites au frigo, j'en ai mangé une et l'autre on l'a jetée, donc du coup je suis plus capable de savoir ce que j'ai mangé ou pas. Je me suis fait mon sandwich et j'ai mangé. Maintenant, après le lendemain, je réalise que j'avais peut-être mangé un très grave interdit de manger du chélève, une graisse interdite. D'accord? Alors la Torah me dit, ben, tu sais quoi? Dans le doute, tu ne sais pas pour le moment, tu apportes un korban Hacham Talouï. Jusqu'à que tu vas peut-être un jour réaliser que tu as réellement fait la faute, tu vas retrouver l'autre bout, tu vas voir que l'autre bout c'était le morceau de cachère. Donc, du coup, tu devras apporter ton korban khatat après. D'accord? Ça c'est pour le Hacham Talouï. Qu'est-ce qui se passe si au contraire je réalise que j'ai pas transgressé? Pour moi, j'avais mangé, je m'étais fait mon sandwich, l'autre bout, je l'ai jeté à la poubelle et le gros sac de poubelle dans la benne à ordures. Et puis, il y a mon fils, il est parti voir dans la benne à ordures, je ne sais pas pour chercher quoi. Et il a trouvé que, en réalité, la graisse interdite, elle était là-bas. Donc, je n'avais pas mangé. Et la Mishnah l'a rentré dans plusieurs considérations, que si j'ai prélevé uniquement un korban, une petite marloquette, si j'ai déjà égorgé le korban, ça aura un autre statut, si j'ai déjà égorgé et on a déjà aspergé le sang, c'est encore une autre halakha. C'était tout le principe de la Mishnah Aleph. Regardez le cours précédent. Et dans la Mishnah Bet, maintenant, alors on va comparer d'autres interdits de la Torah, où au contraire, on ne se conduira pas de la sorte. C'est-à-dire, alors, la Mishnah va commencer avec Hacham Vadai Enoken. Le Hacham Vadai n'est pas semblable à cela. C'est-à-dire, pour un korban, Hacham qu'on devait certainement apporter. Parce que réellement, on a transgressé une faute de Shifra Chavufa ou une faute de Meila, de Hacham Xelot. Et Im Ad Shelo Nishrat Yetze Veir Eba Eder. Si toutefois, en fait, donc, pour moi, c'était sûr, j'avais transgressé un interdit de Meila, j'avais aucun doute. Du coup, j'ai désigné un korban Hacham Meilot, j'ai pris l'argent aussi, je l'ai donné peut-être au Gizbar, ou je m'apprête à monter à Yerushalayim, j'ai désigné un korban. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? En réalité, d'un coup, je réalise que j'ai fait que pas du tout, j'avais pas transgressé en fait. En réalité, j'avais aucune faute. Alors la Mishnah m'enseigne, Imad Shalon Nishrat Yetzev Yireh Baeder, si, pour le moment, on n'a pas encore fait la shrita du korban, eh bien, Yetzev Yireh Baeder pourra ressortir, tu t'es trompé, t'as cru. Tu l'as rendu kadosh, t'as cru que tu devais apporter un Hacham, sache qu'en réalité tu ne dois rien apporter. Donc il sortira et il ira paître avec le reste du troupeau. Il a toute sa gdoucha, c'était une erreur, donc il n'y avait aucune gdoucha. Ok? Petite différence avec le Hacham Talouï, que d'après Chamim, même lorsque tu réalises l'erreur, il y aura quand même une gdoucha. Là-bas, c'était une halakha particulière, parce que comme tu savais qu'il y avait une situation de doute, alors tu as voulu de l'offrir, quoi coûte que coûte, tu as voulu l'offrir. C'était le principe de la Mishnah précédente. Là, lorsque c'est un Hacham Vadai, tu le fais vraiment parce que tu avais une faute. Donc si en réalité, tu n'as pas fait de faute, tout s'annule.
Ensuite, im mishenishrat, après qu'on a égorgé le korban, eh bien, arézé ikaver, eh bien, il s'avère qu'en réalité, ce n'était pas un korban, qu'est-ce qu'on fera? Ça s'appelle un cholin shenishratu ba'azara, un animal profane qu'on a égorgé dans la hazara, que il faudra, il est interdit d'en tirer profit, il faudra l'enterrer. Nizrak adam, abbasar yetzel ebet asrefa. Si toutefois, maintenant, on n'a pas juste fait la shrita, on a même aspergé le sang, on a fait un super korban, et après on réalise l'erreur. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que dans ce cas-là, il faudra le brûler. C'est une halakha particulière, cette fois-ci, bien que c'était en réalité un korban. Ce n'était plus un korban, c'est un animal profane qui s'est retrouvé égorgé dans la hazara. Malgré tout, puisque au moment où on l'a égorgé, il ressemblait à un korban, alors, dans la tête des gens, ça reste que un korban invalidé, qui a eu un problème ensuite, qu'il faut le brûler. Donc du coup, Ramim, ils ont fait un décret que même cet animal-là, bien qu'en réalité c'était une vraie erreur, tu vivais dans le faux, tu crois que tu dois porter un korban hacham, on a fait la shrita, on a aspergé le sang, les konim s'apprêtaient à le manger, on a réalisé l'erreur, eh bien, au lieu de dire que non, en réalité c'était juste un choulin et tu peux le jeter à la poubelle ou l'enterrer, eh bien, Ramim, on dit non, brûle-le, comme ça, ça évitera la confusion. Ok? Autre cas de figure qui n'est pas semblable, c'est le shor aniskal, un taureau qui doit se faire lapider. Il y a plusieurs situations, un taureau qui est passible de lapidation, soit parce qu'il a tué un être humain, soit encore parce qu'il a eu un rapport avec un être humain, soit il était actif ou passif, peu importe. Alors il doit être aniskal, il doit être lapidé. Maintenant, lorsqu'on le lapide, bien sûr, à la précision importante, lorsqu'on le lapide, une fois qu'on l'a jeté de la falaise, on l'a fait d'un volet, il est mort, on n'a pas le droit de tirer profit de sa chair, ni de sa peau, ni de rien. Ok? Et la Mishnah enseigne maintenant. Shor niskal et noken. Le shor niskal n'est pas la même chose. Si en fait, on l'a pris pour victime, pour le coupable, qui a tué un être humain, on a dit que c'était lui, on l'a condamné, et puis maintenant, on va partir le lapider. Et noken. Eh bien, et finalement, on réalise qu'en réalité, ce n'était pas lui du tout. C'était quelqu'un d'autre. C'est pas un taureau, c'était une vache. Ouais, n'importe. Eh bien, imagelo niskal, si, tant que l'on n'a pas encore, on ne l'a pas encore lapidé, yetsev irebaeder, il ressortira, il ira paître avec le reste du troupeau, parce que il n'a aucune raison de mourir, il n'y a aucun interdit sur lui. Miché niskal, et si toutefois on l'a déjà lapidé, alors maintenant, on a dit, un animal qui a transgressé l'interdit qu'on a lapidé, on n'a pas le droit de tirer profit de sa chair. La lame chère enseigne, eh bien, moutar be'ana, on pourra tirer profit de sa chair, parce qu'en réalité, c'était plus un shor niskal. Ok, troisième cas de figure, c'est le aigla arufa, la génisse qu'il faut eunuquer. Ouais, j'ai retenu le mot, c'est qu'on lui brise la nuque. C'est tout le rituel qui est dans la fin de la parasha de Shoftim, où si on a trouvé un mort jeté dans la rue, plutôt entre deux villes, et on ne sait pas qui l'a tué, alors la Torah nous donne tout un procédé, tout un rituel pour que les juges de la ville la plus proche devront venir et prier devant Hachem en reconnaissant qu'ils ont commis ils n'ont pas manqué à leur devoir d'aider les invités à quitter leur ville. Et puis maintenant, il s'avère qu'en réalité, on a désigné la Aigla Arufa. On a trouvé un mort près d'une ville, le Beit Din et les sorciers, il a commencé le rituel de la Aigla Arufa. Il a mesuré, il a son devoir de venir faire cette capara. Et puis en réalité, on réalise que on a trouvé le meurtrier, tout simplement. Si on a trouvé le meurtrier, il n'y a plus lieu de faire toute cette aigla arufa. Alors la Mishnah enseigne, Imachelonerfa, tant qu'on ne lui a pas brisé la nuque, alors, au ref, c'est la nuque. Ouais. Donc, Neerfa, c'est qu'on lui. Il motif des BVC, va arafto, la Torah l'a dit, sur le Bechor. C'est le même mot. Arufa, la arof, c'est qu'on le nuque, c'est-à-dire qu'on prend une hache, on lui casse par le. On la tue en lui fracturant la nuque. Ok? Donc, maintenant, pour l'aigla arufa, ça se passe comme ça. Imachelonerfa, on a désigné l'animal qu'on allait faire en aigla arufa. Et si, tant qu'on n'a pas encore fait l'aigla arufa, on l'a pas encore énuqué, alors la Mishnah m'enseigne, tetsev et tire va aider, et après on réalise qu'en réalité, on a trouvé le meurtrier, ou bien, finalement, c'était pas cet animal qui a tué, c'était quelqu'un d'autre. Alors, la Mishnah enseigne, ben, Tetsé, Vetire, Baeder,
elle ira paître avec le reste du troupeau, elle aussi. On a cru que c'était un animal qui allait être interdit, qui avait fait un. Qui venait pour expier une très grave faute, et puis finalement, il s'avère qu'on s'est trompé. Eh bien, on s'est trompé. Tout ce qui était désigné va se retirer naturellement, et l'animal redevient permis à la consommation. Par contre, Michene Erfa, par contre, si on l'a déjà fait, on l'a déjà brisé la nuque, alors, on avait dit que. Alors, si c'est une aigle, enfin, on n'a pas le droit de tirer profit. Si en réalité c'est un animal qui était profane, qu'on s'est trompé, on a cru qu'on devait apporter un corban de Glaroufa, alors on aurait le droit de tirer profit de sa chair. La Mishnah enseigne, ben celle-là, cette fois-ci, tic un verbe commun. Il faudra l'enterrer sur place, interdit de tirer profit. Et pour quelle raison? Chez Kol Safek Ba, chez Al Safek Ba, Mitechila, puisque toute la Glaroufa, elle vient justement parce que tu as un doute, parce que tu ne sais pas qui a tué. Donc lorsque tu l'as, tu as fait le rituel de la Glaroufa, et puis tu l'as brisé la nuque, réellement, tu avais une capara à faire de la sorte, même si finalement la capara, après coup, on va réaliser qu'elle était un petit peu en trop, parce qu'on a trouvé finalement qui était le meurtrier, malgré tout, au moment où tu l'as fait parce que tu avais une situation de doute, et la Torah l'a donné cette mitzvah en situation de doute. Shel safek ba mitechila. Elle vient, la igla ou fa, on doit la porter sur un safek, parce qu'on a un doute. Et donc dans ce cas-là, kipra sfeka ve alchala, si elle a fait la capara, parce que tu avais ce doute, alors Al-Khala, tu t'es acquitté comme ça, quoi. Ça veut dire, très simplement, regardez, il y a en fait le principe, si je veux synthétiser un petit peu le principe qui a été véhiculé entre la Egla Arufa et le Hacham Talouï, à la différence des deux autres qui sont le Shoran Iskal et le Hacham Vadaï, c'est que lorsque la Torah elle me dit, tu sais, lorsque tu as un doute, réalise ce rituel pour faire une capara. Partiel, parce que si un jour tu vas t'éclaircir, alors il faudra faire une capara complète. Mais donc la Torah m'a dit, dans une situation de doute, tu fais ce rituel pour te faire expier ta faute, partiellement. Alors dans ce cas-là, si j'ai fait le rituel jusqu'au bout, et qu'après coup je réalise qu'en fait on a trouvé qui était le fautif, qu'il faut donc procéder différemment. Malgré tout, ce que tu auras fait, tu l'as bien fait, parce que tu l'as fait à cause d'un doute. La Torah t'a donné ses mitzvot en situation de doute. À la différence du cas où la Torah n'a pas donné de mise en situation, la Torah a dit t'apportes un corban à Hacham Vadaï parce que tu as réellement transgressé la faute de Meïla. Ou bien la Torah m'a dit tu tues le Shoran Iskal, tu tues le taureau qui est encore né, parce que réellement il est passif de mort. Alors lorsque tu t'es trompé, il s'avère que finalement tout ton rituel c'était du toc, c'était construit sur du vide. De ce fait, là-bas spécialement, tous les interdits se lèvent et l'animal redevient permis à la consommation. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Asar HaKol Tov. Salam.